Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Il est vrai que les localisations de jeux vidéo d'un continent à un autre sont parfois assez chaotiques. Que ce soit pour des raisons de droits d'adaptation, d'exploitation ou de licence, ou encore juste une question de look général. Un jeu vidéo peut très facilement changer de design général ou tout simplement être remplacé par l'univers d'un personnage bien plus populaire. C'est par exemple le cas avec Yumeko Jo Doki Doki Panic sur Family Disk System. Si ces images vous sont familières, le héros l'est beaucoup moins. Ce jeu est en effet sorti chez nous en tant que Super Mario Bros. 2. En effet, à la base, le jeu s'inspire d'une série télévisée japonaise inconnue du public occidental. Il fallait donc bien trouver un personnage populaire et qui mieux que la mascotte maison pour remplir ce rôle. Mais il arrive parfois que ce soit un jeu occidental qui soit japonisé, pour plaire à un public nippon. C'est exactement le cas avec Pandemonium sur PlayStation et Saturn. Les deux bouffons du jeu de plateforme ont été jugés trop occidentaux pour les Japonais. Pour ce marché, le jeu opte alors pour un design plus animé, un univers qui mêle technologie et magie, et change pour un titre plus positif, à savoir Magical Hoopers. Plus rares sont les personnages qui jouent les remplaçants de manière quasi systématique et qui vont même jusqu'à avoir leur propre série. Et pourtant, c'est le cas de Kid Clown, un héros qui n'était pas destiné à le devenir. Tout commence avec un jeu estampillé Mickey Mouse. Il faut savoir qu'au Japon, la société Kemco avait récupéré les droits d'exploitation de Mickey sur le territoire japonais. Sont alors créés deux jeux Game Boy et un jeu sur Famicom. Ce dernier s'intitule Mickey Mouse 3 Yume no Fusen ou Mickey Mouse 3 et le ballon des rêves. Il sort en 1992 et c'est un petit jeu d'action plateforme sympathique où la souris se bat à coups de ballon. Elle peut en effet les utiliser pour les balancer contre ses ennemis ou encore s'en servir comme trampoline. Hormis quelques musiques et quelques ennemis, on n'en trouve que très peu de références à l'univers de Disney. Et ça tombe plutôt bien, puisque Kemco n'a pas les droits d'exploitation hors du Japon. Il faut alors trouver quelqu'un pour assurer l'intérim, c'est à ce moment-là qu'entre en scène Kid Clown dans Kid Clown in Nightmare World pour le marché américain. Alors oui, il est très moche, et on se demande comment l'équipe marketing a pu laisser cette faute de goût passer. Croire que ce personnage était potentiellement aussi charismatique que Mickey Mouse, mais bon, passons. Les jeux sont quasi identiques. On note la disparition du thème de It's a Small World, la disparition de certains ennemis issus du folklore Disney, comme ce vautour du livre de la jungle qui est devenu ici un hibou. Mais plus étonnant, le changement de couleur de certains ennemis dû à une optimisation de la palette limitée de la NES. Pour résumer, Kemco a donc créé un héros de toutes pièces pour le marché occidental, que le public japonais n'est pas censé connaître. Et c'est là que c'est fort. Car en 1994 sort au Japon Kid Clown no Crazy Chess sur Super Famicom, dont Kemco propose au public japonais un personnage qu'ils ne peuvent pas connaître. Heureusement qu'un designer talentueux a réussi à relooker notre petit héros et le style de jeu change radicalement. Ouf. Nous ne sommes plus dans un jeu de plateforme, mais dans un jeu de course. Et pas une course contre d'autres participants, non, une course contre la montre. Il faut réussir à arriver avant que l'étincelle de la mèche n'atteigne la bombe. Cela peut paraître simple comme ça, mais ce n'est pas si facile car le chemin de notre héros est jonché d'obstacles, de pièges ou de vices en tout genre. D'ailleurs, à chaque piège, il existe une animation unique. Et vu le nombre d'obstacles, on peut dire qu'on a rarement vu autant de mimiques pour un seul personnage dans un même jeu. Pour espérer atteindre le but, il faut aussi trouver 4 enseignes du jeu de cartes. Pique, cœur, carreau et trèfle, dissimulées dans des ballons. Et vous vous doutez bien qu'il existe une multitude de ballons sur la route qui renferment tantôt des surprises et tantôt des pièges. Par contre, on ne note que 4 mondes différents, ce qui offre une très faible rejouabilité, puisque le monde seront toujours identiques et la surprise n'agit qu'une seule fois. Cependant, les designs mignons et les gags à foison font de Kid Clown in Crazy Chess un jeu plaisant à jouer. Il ressortira en 2002 sur Game Boy Advance, s'appelant sobrement Crazy Chess. Le jeu est quasiment identique à son prédécesseur, avec toutefois 11 nouveaux niveaux et des mini-jeux inédits. Malgré toutes ces améliorations, le jeu était bien trop frustrant pour le nouveau public des années 2000. Une suite verra le jour en 1996 sur PlayStation japonaise. Ce n'est pas vraiment une suite, mais plutôt une version améliorée du jeu Super Nintendo. Pour commencer, on est accueilli par des cinématiques en animé très soignées. Le jeu est cette fois-ci en full 3D, ce qui permet un rendu plus visuel. En effet, on jauge mieux la distance des dangers et la caméra devient plus dynamique,
notamment pour créer des effets dramatiques, comme cette chute de tonneau qui poursuit le clown bien plus impressionnante que son homologue 2D. On note aussi la possibilité de revenir en arrière, ce qui facilite drôlement la tâche car nous ne sommes plus obligés de refaire tout le niveau pour avoir les enseignes. Mais juste à revenir à celle qui manquait. Tout ça, c'était pour la série des Crazy Chase, car lorsque Kid Clown sort de sa course folle, il est dur de le suivre. Revenons en 1997 sur Game Boy japonaise avec Soliike Kid Go Go Kid. Dans ce jeu, il faut aider le petit clown à trouver des clés pour ouvrir des portes. Si ce principe vous rappelle une autre série de jeux, c'est qu'il est emprunté à la série des Crazy Castle, pourtant le jeu n'en porte pas la mention. Enfin, presque. Le jeu est sorti plus tard en Occident, mais avec un héros plus populaire que Kid Clown. Pourtant, nous en sommes à ce moment au troisième volet de la série Kid Clown. Il sera en effet remplacé par Bugs Bunny dans Bugs Bunny Crazy Castle 3. Hormis la colorisation et le changement de sprite, les jeux sont identiques. Et donc sorti au Japon, un jeu de la collection Crazy Castle qui n'en est pas un. Et comme si ce n'était pas assez compliqué comme ça, Kemco décide de ressortir le jeu sur son territoire avec Bugs Bunny. Le Japon compte donc deux fois le même jeu avec deux titres et deux personnages différents. Bien entendu, l'histoire ne s'arrête pas là, car sort en 1998 un nouveau jeu avec pour héros notre petit clown. Ce jeu se nomme The Bombig Island. Ici, plus de courses folles, de ballons ou de clés et de châteaux fous. C'est un jeu de réflexion dans lequel le héros doit faire exploser des bombes stratégiquement. Certaines ne font exploser qu'un seul bloc alors que d'autres sont plus puissantes. Le but étant de faire exploser la grosse bombe rouge tout en restant en sécurité sur un bout de terrain. Rien de bien extraordinaire, si ce n'est que lors de son portage sur Nintendo 64, Kid Clown se fait une nouvelle fois voler la vedette. Par contre, pas de héros à licence ou de problème de localisation, The Bombig Island étant sorti sur tous les territoires. Juste une décision incompréhensible, en effet en 1999 la mode était au design japonais kawaii choupinou, alors pourquoi remplacer notre mignon petit clone par Charlie Blast, une sorte de caricature cartoon bedonnante de l'ouvrier de chantier moyen? Ce n'est ni esthétique ni drôle, mais encore une fois, passons. Sur Nintendo 64 sort donc Charlie Blast Territory, un copier-coller de The Bombig Island, les énigmes sont les mêmes, seules quelques couleurs et bien entendu le héros changent. Le Japon ne préférera pas sortir cette version, ni une version avec Kid Clown d'ailleurs sur son territoire. Et on les comprend. Kid Clown est l'incarnation du manque de logique et de compréhension dont peuvent parfois faire preuve les éditeurs laissant les joueurs sur le carreau. Car il faut bien admettre qu'un remplaçant de Mickey, inconnu au Japon, qui devient héros de son propre jeu et qui se retrouve dans un épisode d'une autre série dont il n'a rien à voir et qui se fait remplacer par Bugs Bunny 2 ans plus tard, et qui, lors de son retour dans un puzzle game sympathique, se fait encore échanger par un chef de chantier, ça tire quand même du prodige.